Allô, mon nom est Martine ou Célestine Martine. Je te propose ici un tapping pour mieux vivre cet épisode bizarre du printemps 2020 avec le coronavirus. Alors, je t'invite à faire pause puis pour aller t'installer confortablement, si ce n'est pas le cas, dans un endroit où tu auras l'intimité pour pouvoir parler à voix haute. Parce que dans un tapping, tu vas faire comme moi, on va tapoter l'extrémité de certains points d'acupuncture qui sont l'extrémité des méridiens d'énergie, en même temps qu'on va se parler à voix haute. Je vais te proposer des phrases, puis tu vas les répéter à voix haute, idéalement, pour que tu t'entendes avec ta voix. Alors, va t'installer confortablement. Fais pause si ce n'est pas le cas. Et puis, je t'invite à commencer à taper avec moi. Alors, je t'invite à masser sous les clavicules, puis à bien respirer tout au long du tapping. Même s'il y a une partie de moi qui vit du stress en lien avec le coronavirus, je suis ouverte à m'aimer et à m'accepter. Je t'invite à répéter à voix haute. Même s'il y a une partie de moi qui vit de l'insécurité en lien avec le coronavirus, je suis ouverte à m'aimer et à m'accepter. Fermer tes yeux malgré que tu ne verras pas où je tape. Début des sourcils. Tout ce stress que je ressens. Coin de l'œil. Toute cette insécurité que je ressens. Je joue. En tapping, sous le nez. La clé du tapping, c'est l'honnêteté envers soi-même, sous la bouche. Alors, je t'invite, en disant ce stress que je ressens ou cette insécurité que je ressens, je t'invite à cœur ici, je t'invite à plonger à l'intérieur de toi pour vraiment le ressentir. Il n'y a pas de danger. Alors, on va taper ici. Il y a plusieurs points ici, on va taper. Prendre une grande respiration. Tout ce stress que je ressens en lien avec le coronavirus. Je t'invite à plonger à l'intérieur de toi puis à ressentir le stress que tu as vécu dans les dernières heures, mettons, dans les dernières 24 heures. Les nouvelles, le point de presse. Une projection que tu as eue de ce qui est possible d'arriver. Le stress que tu as absorbé en allant à l'épicerie, de l'ambiance bizarre qui règne là. Connecte avec ce stress-là. Ah, tout ce stress que je ressens. Je suis ouverte à l'idée de m'aimer puis de m'accepter avec ce stress-là. Devant la cage thoracique, sur les côtes qui pointent vers l'avant. Moi, je mets mes doigts comme ça. Toute cette insécurité que je ressens pour l'avenir. Sous les bras, où passe la courroie du soutien-gorge. Toute cette insécurité que je ressens. Je suis ouverte à l'idée de m'aimer puis de m'accepter avec cette insécurité-là. Poignet. Il y a une partie de moi qui aimerait mieux ne pas ressentir ça. Pousse. Je suis ouverte à l'idée de prendre un temps aujourd'hui pour le ressentir et le libérer, ce stress-là, cette insécurité-là. Index. Je comprends pourquoi je vis du stress.
je comprends pourquoi je vis de l'insécurité. Majeure. Il y a beaucoup d'incertitudes pour tout le monde. Sous l'annulaire. J'ai mon stress, j'ai mes incertitudes et je ressens celles du collectif, des autres. Petit doigt. Je suis ouverte à l'idée de libérer tout le stress et l'incertitude et l'insécurité que j'ai plus besoin. Côté de la main. Je libère le stress que j'ai plus besoin. Côté de l'autre main. Je libère l'insécurité que j'ai plus besoin. Dessus de la tête. Ce stress-là, il voulait sûrement me protéger. Me protéger pour que je fasse les choses sécuritairement. Je le remercie, puis je le laisse aller maintenant. Début des sourcils. Coin de l'œil. Ouverte à l'idée de libérer le stress et l'anxiété au fur et à mesure que j'en ressens, sans attendre. Joue. Après être allée à l'épicerie, par exemple, plutôt que de m'étourdir à me changer les idées, je suis ouverte à l'idée de m'asseoir et de respirer. Sous le nez. Je suis ouverte à l'idée de m'asseoir, donner l'autorisation au stress d'exister sous la bouche, d'inspirer du calme et d'expirer le stress. Cœur, j'inspire du calme. J'expire le stress. Devant la cage thoracique, j'inspire de la confiance. J'expire de l'insécurité. Sous les bras, j'inspire de la confiance. J'expire l'insécurité. Poignet. Et si c'était ça ma part que je pouvais faire pour moi, pour mes proches et pour la communauté? Pousse. Même si ça ne me semble pas beaucoup. Et si c'était exactement ce qu'on avait besoin? Index. Et pourquoi pas jouer le jeu? Pour mon bien-être. Pour le bien-être de mes proches. Majeur. Si je vibre de la paix, je suis ouverte à l'idée de croire que j'aurai un impact sur plusieurs personnes. Sous l'annulaire. J'ai pu constater dans les dernières semaines à quel point on est connecté.
On a tous ressenti de la peur puis du stress partout, sur la terre, en même temps. Je l'ai bien ressenti. Alors, j'ai confiance qu'on peut connecter. Petit doigt. Alors, je suis ouverte à l'idée que de vibrer de la paix et du calme côté de la main. Et ce que je peux faire de mieux pour l'instant. Côté de l'autre main. Dessus de la tête. Je t'invite à fermer tes yeux. Puis à ressentir pour toi, c'est quoi l'amour inconditionnel? Est-ce que ce serait l'amour de tes enfants, de ta mère, quelqu'un de significatif pour toi? Alors, je t'invite à ressentir l'amour que tu leur portes, début des sourcils. Je t'invite à le faire grandir dans ta cage thoracique, à te redresser si tu es écrasé dans un sofa. Je fais grandir l'amour dans mon cœur. Coin de l'œil. Tout cet amour-là, je suis ouverte à l'idée de le partager avec tous ceux qui souffrent présentement. Sous le nez. Je suis ouverte à l'idée de le partager avec tous ceux qui souffrent présentement. Sous la bouche. Je suis aussi ouverte à l'idée de le partager avec tous ceux qui soignent ceux qui souffrent. Merci, merci, merci à tous ceux qui soignent ceux qui souffrent. Cœur. Je suis ouverte à l'idée d'être reconnaissante quotidiennement. Pour tout ce qui est OK, tout ce qui est super même dans ma vie. Devant la cage thoracique, il fait beau. Il fait vraiment beau. Le soleil est chaud. J'ai une maison confortable et accueillante. Poignet. Mes besoins sont comblés. Mes besoins primaires et tous mes besoins sont comblés. Pousse. Reconnaissante d'avoir plus d'occasions de connecter, mais de façon différente. Index. Plus d'occasions d'être généreux et d'être témoin de générosité. Majeur. Sous l'annulaire. Côté de la mer. Je m'engage à prendre soin de moi en priorité.
J'ai le temps. Côté de l'autre main. Je suis digne de prendre soin de moi. Je suis digne de me donner toute l'attention et tout l'amour dont j'ai besoin pour bien vivre cette période-là. Je suis ouverte à l'idée d'avoir confiance en la suite, d'y aller au jour le jour et de ne pas fuir l'inconfort, mais plutôt de me donner le temps pour plonger dedans, le respirer, l'expirer, d'installer autre chose, de plus vibrant, de plus agréable à ressentir et que tous tes proches, l'entourage, vont apprécier ressentir. Alors, merci. Je t'invite à partager si tu penses que ça peut aider d'autres. Bye!